Deux semaines après la une Gay Friendly de Paris Match avec Stéphane Bern et son nouveau compagnon, la première couverture du magazine avec deux hommes, l'hebdomadaire est accusé par certains cette semaine de nuire à la cause gay en présentant une interview confession de Patrick Dupont. Le danseur étoile, qui est passé de l'homosexualité à l'hétérosexualité, y affiche son histoire d'amour avec la danseuse Layla Darrocha. Mais ce sont les mots qui font plus mal que les photos. Car Patrick Dupont explique qu'il avait l'impression de vivre dans un mensonge. Une parodie de l'amour, ça m'arrangeait de me mentir à moi-même. En ce qui me concerne, l'homosexualité a été une erreur, raconte le danseur dans Paris Match, qui précise qu'il se sentait très seul à cette période de sa vie, n'aimant pas celui qu'il était. Une formulation qui divise sur les réseaux sociaux. Terrible et irresponsable, le message véhiculé par Patrick Dupont dans les colonnes de Paris Match, écrit sur Twitter une journaliste de LCI. Se rend-il compte de l'effet dévastateur de ces mots, surenchérit un journaliste de 20 minutes. Patrick Dupont a tenu des propos similaires par le passé, rappelle de son côté un confrère de RTL, car cela fait une dizaine d'années que Patrick Dupont est convaincu d'avoir trouvé le vrai amour auprès de la femme de sa vie.